C'est que depuis 2023, vous ne m'avez jamais vu dans les clashs, ni quoi que ce soit. Ce soir, j'ai décidé de faire cette vidéo pour encore une fois de plus, dans un premier temps, demander pardon. Je demande encore une fois de plus pardon à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les femmes, aux autorités de la ACA pour ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est déjà un. De deux, dire à mes abonnés, aux personnes qui m'aiment, que la lolo beauté que vous dans les bad buzz, dans les clashs, dans les injures, je vous annonce ce soir que cette lolo beauté, elle est définitivement morte. Ma popularité que j'ai, je ne vais plus l'utiliser dans des choses qui n'honorent pas. Un, moi-même ma personne. Et deux, vous qui me regardez. Ça, c'est déjà de deux. Je fais ce live ce soir pour les personnes qui m'aiment, qui m'apprécient, qui me portent toujours en prière, de continuer de prier. Ah, merci mon bébé. Maman en train de parler, on la laisse parler deux minutes, ok? On me laisse parler deux minutes, ok? Et puis après, je m'occupe de vous. Qu'est-ce que je disais? C'est pas facile de faire quelque chose d'autre et puis vous occuper. Qu'est-ce que je disais? Tu peux me rappeler? Les enfants me prennent tellement la tête. J'aimerais consacrer, je vois vos messages. Lolo, on t'aime, on t'aime. Si vous m'aimez vraiment, priez pour moi. Pour que je puisse encore changer davantage. Pour que je sois une femme, franchement, dont le passé restera dans les ténèbres et que le futur soit la lumière. Je fais ce direct-là. Franchement, avec le cœur, tu m'excuses mon bébé, pour vous dire, et je répète, la force que Dieu m'a donnée, ces enfants-là, elles n'ont que 4 ans. Il n'est jamais trop tard pour améliorer sa vie. Elles ont besoin de moi. Elles ont besoin de mon énergie. Elles ont besoin que je sois cette mère-là. Lorsqu'elles sautent, elles disent, Lolo Beauté, c'est notre moment. Qu'elle soit fière de prononcer mon nom. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je suis à Abidjan et je me mets à genoux devant tout le monde pour vous dire, une fois de plus encore, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je l'ai fait depuis l'Europe. Je le fais encore depuis Abidjan. Je ne suis pas parfaite. Je essaye de changer. Et je suis convaincue que je vais changer. Je vous en fais la promesse. À mes frères blogueurs, influenceurs, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas la mieux personne pour vous donner un conseil. Mais je vous dis, soignons notre image. Soignons notre image. Ça va faire notre fierté. Ceux de nos enfants et pour ceux qui nous regardent. Au jour d'aujourd'hui, j'ai de l'énergie à dépenser sur mes enfants, sur mes entreprises et tout ce qui est bon pour l'avancement. Si j'ai fait du mal à
un bloqueur, à un influenceur, à une personne même que je ne connais pas, je lève mes mains, amène-moi de l'eau d'un petit seau. Et je vous demande pardon. Je vous présente les excuses pour tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai. À chaque fois qu'on dit on change, on ne change pas. 2023, vous ne m'avez jamais vu mettre ma caméra, insulter une personne. Et je vais continuer encore dans ce sens. Pas pour faire plaisir à des personnes, mais pour moi-même, la tranquillité et la paix de mon âme. Cet amour que vous m'avez porté, je vous le redonne ça. Priez toujours pour moi, pour que je puisse changer complètement. Voilà de l'eau aujourd'hui. Amène-moi ça ici, s'il te plaît. Ce soir, je mets un seau. Je lave mes mains. Dans la Bible, on dit de ne pas jurer. Mais ce tact-là, cela veut dire que votre lolo, la djadja, le drone que vous avez connu là, elle est morte. Ces enfants-là, ils ont besoin de moi. J'en ai 5. Les 3 autres, ils sont grands. Mais celles-là, elles sont petites. Au jour d'aujourd'hui, je touche du bois, je meurs. Il n'y aura personne pour s'occuper de ces enfants que vous voyez là en joie. Combien de fois mes enfants m'ont appelé en caméra? Maman, tu viens quand? Maman, on veut te voir. Maman, maman, maman. Même si je suis maudite, la malédiction doit quitter dans ma vie à cause de ces enfants. Et je me suis lavé les mains, je vous fais la promesse. C'est fini. Je ne regarde pas X, je ne regarde pas Y. Je ferai mes vidéos pour plaisanter, pour faire rire aux gens. Mes vidéos pour encourager la jeunesse à devenir aussi des femmes d'entreprise comme moi, sans compter sur un homme. Je me rends compte que quand je fais les bêtises, mes vidéos sont plus partagées que lorsque je pose ma caméra. Et que j'ai dit aux femmes, ayez la rage de réussite.